Bon, allez, c'est parti avec cette affreuse démo dont j'ai un petit peu vu quelques trucs et que je sais que je vais flipper à mort. Une porte. Jusque-là, rien de dramatique. Alors, est-ce que je peux regarder un petit peu autour de moi? Ouais. Là, il y a des médicaments dans le coin quand même, hein. Oh, sympa ce qu'il raconte à la radio. Okay. Je peux aller par là ou pas? Non, je fonce dans la porte, mais je ne l'ouvre pas. Ah, j'aime pas quand il fait nuit. On revient au début, d'accord. Bon, rien n'a changé. Alors, juste une petite vérification. Un instant. Bon, toujours plein de médicaments. Il faut qu'ils refassent la peinture hein, chez eux. Non, je peux pas l'ouvrir. Je sais quand même. Fait nuit. Salut tout le monde, n'hésitez pas à participer sur le chat, hein. Toujours pas ouvrir ici, a priori non. Et des bruits bizarres, mais bon, rien d'anormal. Ah là, je peux pas y aller. D'accord. Alors, j'ai déjà essayé cette porte. Ok. Non, j'ai peur. Pourquoi cette porte tremble? Maman, je veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je sens que je vais flipper, ça va être horrible. La porte elle est fermée. Ok. Pourquoi ça fait ça? Là, il n'y a rien qu'à bouger. Ok. Non, toujours pas. Où vais-je? Que faire? Là. Rien de spécial. Et c'est des alcooliques. Quoi, toutes ces bouteilles? J'avais même pas vu. Ils sont pires que moi, eux.
Là, rien d'anormal. Il y a des photos où il n'y a rien, c'est étrange. D'avoir des photos au mur accrochées où il n'y a rien. Je vais essayer d'ouvrir la porte, même si j'ai pas trop envie de voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui. Ah! Bon. Retour à la caisse départ. Il y a des jeunes super. Pas rassurée. J'ai très peur. Oh my goodness. J'ai peur. Ok. Alors je sais qu'il y a des histoires de photos, donc du coup je regarde un peu. Même si j'en ai regardé vraiment que des petites portions de cette démo. Eh mais faut pas me faire des flips comme ça! Je peux toujours pas ouvrir. Non mais je vais avoir une attaque cardiaque, moi ça va être affreux. Alors. Voyons voir. On reste toujours fermé, j'aimerais bien sortir. Je veux pas rester là. Ah, j'aime pas quand je vais dans des trucs où il fait nuit. Bonjour aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à participer sur le chat. Si aussi pour me signaler si tout fonctionne correctement, si vous m'entendez bien. Bon. Ok, ça va pas être spécial. Oui, j'avance très doucement, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis une trouillarde fine. Ah, j'aime pas quand je passe à chaque fois cet angle, il se passe des trucs. J'ai peur. Ah, je peux toujours pas rentrer. Ok. Ah non! Il y a quelqu'un qui ferme la porte. Maman, j'ai peur. Pourquoi? Je sens que ça c'est un truc pourri là. Je veux partir, laissez-moi sortir. Pitié. C'est horrible. C'est tout bonnement affreux. Ah non! D'où ça vient? Non! Oh, il va se passer un truc pourri là. Et ça bouge bizarre là-bas, on dirait qu'il y a une présence. Je ferme les yeux, non? J'avance en fermant les yeux. On peut ouvrir? Pourquoi on entend le bébé? Ah, ça a fermé la porte. Ok, tout va bien. Je veux partir, s'il vous plaît. Bon. Ok. Je veux pas y aller. En plus, vous m'encouragez même pas sur le chat.
Ça fait que j'ai très peur là. Il est toujours 23h59, décidément. Ça fait 10 minutes que j'y suis. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un, my goodness. Je veux pas y aller. Ah, mais c'est qui? Qui est cette personne? Ah, ça va être horrible, c'est obligé. Non, putain. Oh là là, salut. Tu arrives au bon moment. J'ai trop peur. Est-ce que tu m'entends bien, Squall Léon? Oh là là. Mon dieu. Je crois qu'il va se passer un truc de merde, c'est obligé. Maman! Je crois que je vais avancer en fermant les yeux. Je peux pas y aller. Trop putain. Ah super. Comme ça quand je vais crier, tu vas bien m'entendre. Je peux y aller. Je peux y aller. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va se passer un truc. J'aime pas quand il fait noir comme ça. Ah putain. Oh, c'est pourri ce jeu, pourquoi j'ai eu cette idée? Bon, c'est bon. Des cafards partout. Oh my god, y'a quoi en haut? Y'a des trucs bizarres là. Ah non, c'est le reflet. Oh, je me fais du stress pour rien moi. Bon, ok. Dehors du fait qu'il y avait des cafards. Y'a plus de cafards, ça y est? Oh là là, c'est affreux ce jeu. Je sais pas comment ils arrivent à faire une ambiance pareille, mais. Ouh. Je suis vraiment une trouillarde. Bon, je me casse. Retour à la caisse départ. Oh là là. Bon, on y va. Va falloir faire venir Denko, hein, les copains chez vous par contre, parce que c'est tout moisi. Hein. Voilà, les fissures et tout. Oh non! Non, non, j'ai entendu qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Non, non, non. Non. Oh putain, c'est horrible. Je vais mourir. De peur. Oh mais non, mais j'aime pas quand tu fais nuit. Y'a pas un truc pour avoir de la lumière dans ce pays? Non. Je vais avoir peur, c'est obligé. Oh, j'avais pas vu s'ouvrir là-dedans. Il y a une lumière. Je veux la lumière. J'ai peur. Je veux la lumière. Maman, comment je fais pour la prendre? Je peux la prendre comment? Donne-moi. Ah, ça y est. J'ai peur. Il va se passer un truc, c'est obligé. C'est toujours comme ça. Ah! Oh non! Dans la porte! Oh là là, c'est la douche ici, hein. Ah! Un peu le ménage. Oh là là, un peu moisi. Ah, il y a un truc dedans. Bon, parlons pas des toilettes. Ça c'est cette chose. Oh non! Elle se rapproche. J'ai peur. Non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh non! Il y a quelqu'un qui arrive! Oh my god! Je vais trop peur, c'est trop horrible. Ah mais plus jamais je fais un truc pareil, je vous jure que c'est dans la fin je joue un jeu pareil. Je vais mourir de trouille. C'est tout, il y a personne qui rentrait? J'ai peur.
mon Dieu! Une porte qui s'ouvre et je crie quand même. Bon, j'ai repris ma respiration, je sors. Enfin, j'essaie. Non, je veux pas y aller. J'ai poussé la porte. Oh, mais c'est l'enfer ce truc. Bon. Nobody. Je vais me casser, pitié, pitié, laissez-moi sortir. Peau de banane quand même. C'est parti. Oh, il fait encore nuit. Putain. Il y a des bruits chelous en plus. Non mais je vous jure, j'ai trop peur. Je sais qu'à un moment, il y a un truc de ouf qui se passe. Et je sais pas quand c'est, ça me stresse. Oh putain. Va falloir m'aider là. Je vous jure, je vais mourir de trouille. En plus, ça fait des bruits bizarres là dans mes oreilles. C'est juste pas possible. Putain. Ok, j'entends des bruits, des chiffres. Non, je veux pas regarder derrière moi. Non, non. Oh putain, c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. S'est rien passé, donc j'ai dû louper le truc. Forcément, ce serait pas drôle. J'ai essayé de regarder derrière moi, mais j'ai regardé derrière moi pourtant. C'était quoi ça? J'ai décédé? Je savais même pas qu'on pouvait mourir là-dedans. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi ce truc? Ah ben ouais, je suis morte. Je savais même pas que c'était possible. J'ai dû louper un truc à un moment donné, je pense. Ah non, mais faut jamais me refaire un truc pareil, hein. Oh, c'est horrible. Bon, allez, on y retourne. Donc pourquoi est-ce que je suis morte, on sait pas. J'ai dû trop traîner. Moi j'y vais, hein. Maintenant j'ai tout vu, hein. Après la personne qui a failli me trucider là, ou qui m'a même trucidé. Toi de l'eau du robinet, très bien. Et je peux pas y aller dedans là? Il t'avait dit de regarder derrière. Bah oui, j'avais bien vu, mais j'ai pourtant regardé derrière, mais sûrement pas où il fallait. Alors, il me redonne les numéros. Bon, j'ai rien loupé cette fois-ci. Oh, regarde derrière toi, ok. J'ai regardé, ok. Il fait nuit. C'est normal?
Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Parce qu'il m'a dit de regarder derrière moi, j'ai regardé derrière moi. On est derrière. D'accord. Oh, j'aime pas ce bruit là, en plus de cette personne qui fait des bruits chelous. Je peux pas regarder là-dedans. Oh là, c'est pas pratique de regarder avec le clic par contre, vraiment pas. Ah si, c'est ça. Ok, j'ai regardé dedans. Oh mon Dieu! Bon, heureusement que tu es là, Squall Léon, avec moi, parce que... Y a pas une histoire qu'il y a quelque chose qui vole à un moment dans les airs? Bon, je voudrais éviter de redécéder une deuxième fois, en fait. Je sais pas trop quoi faire. J'hésite. Si je retournais là-bas. Je fais des tests, hein. Non, ça veut pas. Bon, bah, je peux pas partir. Ça doit pas être trop mal, mon histoire. Et donc là, je peux zoomer. Salut, Renette! Mais sache que j'ai très très peur, que j'ai crié déjà tout à l'heure. Parce qu'il y a un truc qui m'a bouffé la gueule. Et j'ai pas bien vu parce que j'ai fermé les yeux. Ah non. Bon, j'ai pu regarder, c'est bien. Ah, j'y vais alors. Mais tu sais, comme il y a eu la folle là, ou le truc là qui m'a sauté dessus tout à l'heure, j'ai très peur maintenant. Je veux pas que ça se reproduise. Oh my god. Ouais, rien qu'à bouger. Des photos bizarres qui servent pas à grand chose que même moi j'afficherai pas chez moi. Maman. Oh, la porte elle est encore fermée, il va se passer un truc. Méfie-toi de l'eau du robinet. Très bien. Promis, je me méfie. Oh, il va encore se passer un truc, hein? Oh, derrière toi, ok, je regarde. C'est là, derrière moi? Ça va deux fois que je fais la même chose? Je me demande si je passe pas à côté d'un truc quand même. Alors, il me donne un numéro, mais qui sert probablement à rien, vu que j'ai vu plein de théories à ce sujet, sur Internet. Rien. Oh, arrête avec ce bruit, toi. C'est pas possible. C'est pas possible de faire des bruits pareils. Oh là là, y a rien de spécial. Je sais. Je passe mon temps à regarder derrière moi quand même maintenant, depuis qu'il m'a dit regarde derrière toi. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Là, y a rien. Parce que je dois passer à côté d'un truc. Là, y a rien, c'est un paysage pourri. Là, y a rien non plus. Là non plus.
Là, je sais pas ce que c'est. Là non plus. Non plus. Bon, monsieur, tu es moche. Monsieur aussi. Monsieur, dame aussi. Monsieur, dame aussi. Ok. Ah, à côté de la radio. Bah, c'est celle de là-bas. Bon, bah, j'y suis presque alors. J'étais en train de faire toutes les photos. Celle-ci alors. Ah oui. C'est celle-là? J'aurais dit que c'était celle-là. Est-ce que je me suis bien mise devant? Bah, je sais pas, il se passe rien. Bizarre cette photo aussi. Celle-là aussi. Bon. Il y a quand même des choses qui sont incompréhensibles dans cette démo. Me suis bien mis en face. Ouais. Faut pas que j'essaie, je sais pas, de retourner dans la salle de bain. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça peut pas marcher avec moi? Nothing. Je reste assez longtemps pourtant. Encore un mystère. Vous en dire. Fallait peut-être, je sais pas, examiner le radio réveil avant. Allons voir le radio réveil. Alors. Bonjour, monsieur le radio réveil. Là, c'est des photos sans gens. Ah, là, il y a un bout de photo. Ça m'a lu ce qu'il y a de marqué. C'était ça, j'avais loupé. On va regarder tous les gens. Non. Ah, arrêtez avec ce bruit dans mes oreilles, c'est horrible. Donc là non plus. Là, on est d'accord. Une photo qui sert à rien. Là aussi. On revient ici. Et il ne se passe rien. Ah purée, mais c'est incompréhensible par moment ce truc. J'ai vu des gens bloqués pendant des heures pour certains trucs. Je peux rien faire d'autre de spécial, non? Je sais pas, je peux éteindre, allumer ma torche, non? Mon Dieu! D'accord! Fallait appuyer sur une touche.
N'importe laquelle. En l'occurrence, j'appuie sur X pour info. Faut pas juste la regarder. Ok, maintenant on entend des cris de bébé. Enfin des cris, des pleurs de bébé, ça, c'est pas des cris non plus. Ah, la porte est fermée, je vais pouvoir l'ouvrir peut-être alors. Ah non, interdit. Oh, sa mère! Putain! Mais ils sont malades, hein, de faire des trucs pareils. Mais pourquoi, qu'est-ce que c'est? Vous arrivez souvent à faire tomber des trucs, vous, là? Non, mais qu'est-ce que c'est, là-haut? Il y a des trucs écrits sur le mur. I can hear them calling to my... Qu'est-ce que c'est? Oh non, mais pas encore, hein. Calling to me from... Oh putain. C'est noir partout, c'est l'horreur. Purée. Regarde là-haut, où ça là-haut? Oh mon Dieu. Bon. Attends, j'essaie d'avancer. Ah là. Forgive me, Lisa. J'arrive pas à te lire. Ah, there is a monster inside of me. Ah bah si c'est toi que j'ai vu tout à l'heure, je... Ah, mais c'est peut-être maintenant qu'il va y être le mec. Ah, du coup, j'ai pas regardé parce que je sais qu'il y a des histoires de photos, je sais pas quoi. J'essaie de mater pour pas me louper des trucs. Et qui prend un bain ou quoi? Il est beau chelou. Ah, c'est quoi ces bruits chelous encore? C'est horrible, je vous promets que c'est horrible. Ah, c'est là où il va y avoir un truc en l'air. Ah ouais, je le vois. Sale bâtard. Je peux même pas tenir un flingue et te casser la tête. Je veux y aller, maman. Ah, ça fait peur. Ah, il est horrible en plus, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un frigo? Salut, tonton X23. Ah, qu'est-ce que c'est que ce frigo qui vomit du sang partout? Bon, je veux pas me mettre en dessous, hein, quand même. Bon, on va y aller, hein, salut! Bon. Là, le bébé, il pleure. Bah, tu m'étonnes, il y a de quoi pleurer ici, quand même. Oh my god! Ah, la porte est ouverte cette fois-ci. Il y a toujours le truc là-bas, a priori, qui est dans les airs. Salut! La baignoire est toujours aussi dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce que tu veux laver avec ça. Ça, c'est toujours là, ok.
Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Et il a changé de sens, le truc. Ah, on dirait qu'il est dans le frigo, le bébé. Ah, maman. La porte est ouverte, je peux me barrer de là, oui. Oh, c'est l'enfer, ce truc, mon Dieu! Encore des bruits différents qui se passent. Toujours 23h59. Je vais regarder s'il y a des choses qui changent. Alors, il a l'air de plus avoir le frigo. Ah si. Ok, je vais retourner là voir. Il se passe rien de spécial pour l'instant. C'est vraiment horrible ce truc. Je sais même pas comment ça leur est venu à l'esprit. Bon. Oh bah j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui était suspendu. Qu'est-ce que je fasse moi? Ouais, sympathique hein, cette petite maison. Elle fait pas du tout flipper, j'essaie de sortir et on veut pas en plus. Ah, ça vient de là. Les cris du bébé. Oula, j'en sais rien trop. C'est horrible en plus le bébé qui crie là. J'ai l'impression de tourner en rond, ça y est. En 3h59. Ah, je crois, attends, il n'y a pas une histoire. Bon. Ah, tu t'es calmé, bébé? C'est bien. Ah, ça refait du bruit. Non, j'en se vois pas bien dans ce miroir. Ça aurait pu être rigolo. Tiens. Il y a un truc qui est apparu. Y'a pas une histoire qu'il faut faire apparaître les lettres, je sais pas quoi. Oui, parce que cliquer et regarder en même temps, c'est compliqué. Ah, mais arrête de crier, ça me casse la tête. E, L. Ah, peut-être qu'à chaque fois que je passe la porte, ça met une lettre de plus. On va voir. À côté du téléphone, je vais aller voir. Le téléphone, il est là, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah ouais. C'est horrible. Je sais qu'il y a un truc qui avec les mots qu'il fallait. Ouais, voilà, c'est ça. Hell. C'est tout ce qu'il faut faire, tu crois? On va voir. Ah, je suis vraiment pas douée hein, dans la résolution des énigmes, moi. Ah, ça a plus l'air d'être rouge. Peut-être réussi en fait. Ah, si, c'est toujours rouge. Est-ce que l'eau. Ouais, si, il est toujours là. H L. Oui, donc hell, ça j'ai compris, merci.
Est-ce qu'il faut peut-être que je rentre dans la salle de bain? Ah, il y a peut-être des bugs. Ça aurait dû apparaître à côté de la phrase. J'ai oublié peut-être de faire un truc. Regarde là, il n'est pas encore. Peut-être que... Bon, il y a encore des bruits chelous dans tous les sens. Je commence à m'y habituer, ça y est. Vous avez remarqué. Ah, celle qui est... Ouais, mais c'est celle-là, alors. C'est pas celle qui... C'est stressant ce truc, mon Dieu. C'est bizarre. Ah, c'est bien quand on s'éloigne, ça se calme. Non, il n'y a rien de nouveau ici. Salut à toutes les personnes à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Vous pouvez participer avec plaisir sur le chat. Je vous répondrai entre deux frayeurs. Ah, mais il y a le haut avec le point d'exclamation, ils ont disparu. What the fuck? Gigi pleure. Entre les cris du bébé, des pleurs. Oh. Alors du coup là, ça y est toujours pas help. Vous voyez? Il me semble en effet que ça devait s'afficher là. Et pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? Est-ce que vous savez vous pourquoi? Est-ce que j'ai oublié de faire un truc? Ou est-ce que je fais quelque chose qu'il faut pas? Peut-être que je devrais faire là à chaque fois que j'efface une lettre, que j'aille vérifier sur le mur qu'elle est bien apparue. Ah. Donc hello, ok. Là il manque un L. Alors on va aller voir là-bas. Ah, E-L. Ok. Je retourne. Puis là, ah ben mince, H-L-O. Alors A. A. Oh ben zut, il manque un H. Si j'allais voir s'il est là-bas. Bon, il y a toujours ce frigo là. Ah, ça y est. C'est moi qui essaie d'ouvrir la porte, c'est ça? Veuillez me sortir! Bon. Non, mais du coup. Faut. Oh là là. Faut pas aller trop vite en fait. Si on va trop vite, ça déglingue tout le truc. Alors. Il est minuit. Voix d'outre-tombe là. La lumière, ok. Je peux ouvrir? Non, bah oui, non. C'est quoi ce truc super bizarre? Je parle comme ça.
Ah, oh là là. Se passe quelque chose de bizarre. Je marche vite. Et je vois des yeux. Ah! On voit des espèces d'yeux dans les photos. Ah, dégueu! C'est dégueulasse. Ok. Je peux aller là? Je vais voir le bébé. Je vois flou. Ah, le bébé, il a disparu. Oh là là. Eh mais il se passe un truc bizarre là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout il est changé? Je vais être perturbée. Oula, on aurait dit que la pente elle était grande, donc c'est les ombres. Alors, là, il n'y a plus rien de marqué. Là, la photo a disparu. Je regarde s'il n'y a pas un truc avec les photos, ça me paraît bizarre que ça recommence. Ça recommence encore et encore. C'est que le début, d'accord. Oh là là. Ouais, on se rassure comme on peut, hein, je chante. Ça a un œil, ça aussi, ah oui, mais c'est horrible, hein. J'ai plus vu la salle de bain, dis donc. Ah, d'accord, alors je regarde le sol. Merci, Squall Léon. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oula, je vois plus rien. Je regarde si je trouve un tableau au sol pour trouver un trou dans un mur. Ah non, mais c'est clair que je confirme que c'est du grand délire. Je pense que la première personne qui l'a fait sans aide, elle a bien dû se galérer. Mais en plus, je dois bigler ma parole, je l'ai pas vu. J'essaie de regarder le sol et en même temps le mur. On n'y voit pas très clair en fait là avec cette vue un peu floue. Ah non, y a rien. Bon là, again la salle de bain, rien de très neuf. Oh, le truc qui rend ouf. Et comment voulez-vous trouver un trou dans un mur avec cette visibilité? Je vois rien, moi. Purée, mais c'est pas possible, on voit que dalle. Au plafond. Bonsoir, commando. Merci de te joindre à nous. Très bien, chérie. Bois une bière à ma santé. Tu as loupé mes cris et mes hurlements quand je me suis fait bouffer par une espèce de bonne femme affreuse. Là, je cherche un trou dans le mur. Mais c'est pas possible, on voit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve un trou dans un mur? Ah non, j'ai cru. Ah si, le tableau, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, j'y suis.
J'ai peur, je veux pas. Il va encore trouver des trucs bizarres. Fallait finir, je parie. J'enlevais trop tôt. Ah, j'ai peur. Ah putain, mais c'est affreux ce truc! Ah, ça a l'air plus gore que ça, commando. Ah, je crois que la dadane elle est décédée. No turning back now. Ok, je me retourne pas. Je me retourne pas, promis. Je veux pas encore qu'il y ait la dame qui me saute dessus là. Je me casse. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working. Ah, mais moi je suis une trouillarde, commando. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Non, 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 mais comment vous êtes horrible avec moi, vous avez vu? Je veux que vous me souteniez, que je sois rassurée. Ah, je peux me casser. Youhou! Courage, fillon. Oh, j'aime pas quand il fait nuit, par contre. Pourquoi j'ai plus de lumière? C'est normal? J'appuie sur un bouton qu'il fallait pas. Ah, de la lumière. Bon. Il est toujours minuit. L'heure du crime. Merci pour le follow, commando, c'est très gentil. Alors. Il fait nuit là-dedans, pourquoi il fait nuit? Je sais qu'à un moment on voit un truc dans le miroir, j'ai vu. J'ai vu en regardant un live, je suis arrivée à ce moment-là, on voyait un truc dans le miroir, alors ça m'intrigue. Ah, mais y'a plus rien! Puis on dirait même qu'elle est propre de nuit. Ouh là là! Alors le truc est revenu. Ça aussi c'est revenu. Ouh là là! Pourquoi ça fait ça? 204863. C'est un truc de malade. C'est quoi cette voix de ouf? Ah, mais il se passe des trucs grave chelous là. J'entends à nouveau un bébé pleurer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a planté là, en fait? De quoi? C'est quoi ce truc de ouf? Mais pourquoi que ça recommence là? C'est normal? Non mais il se passe des trucs trop prétentieux, je sais même pas s'il y a des trucs, des fois c'est normal ou si c'est pas normal. Ok, 23h59.
Vous croyez que ça a vraiment planté, que j'ai tout recommencé ou quoi? Ou c'est juste normal? Ah, c'est normal, ok. Ouf, squale, parce que franchement. Des fois, on se pose des questions dans ce jeu. Donc, le bébé, ok. Ah, c'est bon, je sais que je suis pas retournée au début, il y a les phrases et tout partout. Mais c'est trop bizarre de faire ça comme ça, on croirait qu'il y a tout qu'à planter, qu'il y a eu un problème. C'est vraiment un délire ce truc. Ah ouais, d'accord. Alors, je sais que j'ai suivi un live où ils ont essayé de terminer le truc. Je me souviens. Alors, je devrais pouvoir y arriver. Si je me souviens bien. Attends, déjà, je sais qu'il y a un moment, il faut que je regarde dans le miroir, je sais pas quoi. C'est pas maintenant? Non, c'est pas maintenant, a priori. À minuit, d'accord. Bon. Un 3h59 toujours. Je sais pas, loupe ça peut-être. Attendez, au pire, je dois bien avoir une anti-sèche quelque part. Ah oui, d'accord, c'est ça. L'horloge qui sonne, c'est ça, ouais, faut que je refasse plusieurs fois le couloir. Oula, si je vise pas bien. Et toujours 23h59. Oh là là. Ce truc de malade. Ah, regardez, ça a changé encore, c'est vert. Il est toujours 23h59. Ah, faut juste que j'attende une minute. D'accord. Pressée, c'est pour ça. On va attendre alors. Ça vous donne mal au ventre. Où est-ce que je peux? Mais c'est ce verre, ça donne mal au bide, oui. Devant le réveil, il vaut mieux attendre. Bon, je vais devant le réveil. Ah, ça y est. Quand même étrange, j'ai un réveil qui sonne des cloches. Bon, il est minuit. L'heure a sonné. Oui. Non, mais arrêtez de dire des bêtises. Faut vraiment courir? J'ai peur. Non, mais arrêtez! Vous êtes trop vache. Je flippe pas mort, moi, en plus. Attends, je crois qu'il y a une histoire. J'y retourne, parce que moi, je suis une gueudin. Une histoire avec le miroir de la salle de bain.
Peut-être maintenant. Eh ben non. Ou peut-être qu'il faut se mettre comme ça. Eh ben non. Ah. Faut peut-être encore que je passe le couloir, je sais pas. Attends, je regarde. Il est toujours minuit? Ouais, toujours minuit. Oh, arrêtez avec vos bruits chelous là. C'est vraiment bizarre. Bon, j'essaie de passer la porte. Ok, ça a changé de couleur, on est trop content. Et il est 23h59, donc j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Ah bah, là, cette partie, je crois qu'il faut faire téléphone. Non, ça c'est encore après. Avant, il faut quand même que je fasse le miroir. En fait, je dois voir quelqu'un dans le miroir avant d'arriver à cette partie que tout le monde en chie pour la faire. Mais pour que je voie quelqu'un dans le miroir, il faut que ça sonne. Et que. Mais il me semblait qu'il fallait que le réveil s'éteigne. Il y avait une histoire comme ça. Je fais des allers-retours pour essayer de passer une minute plus rapide. Ah, ça y est. Ok, donc là ça sonne. Merci, tonton X. Ok, donc minuit. Et il est minuit, mais le réveil il est pas éteint. Et on me dit que il faudrait que le réveil soit éteint. Alors est-ce que j'ai une fausse information? Est-ce que vous savez? Il y a du bruit là-dedans. On voit rien là-dedans. Non, c'est pas encore, je dois pas faire un truc comme il faut. Il doit y avoir un truc. Bon, ok. Il est minuit. On est trop content. Il est minuit. La lumière est toute bleue. On est trop content. On regarde le téléphone. Il se passe rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La petite machin, ça. C'est vraiment incompréhensible ce jeu, pardon. Hein. Enfin, ce jeu. Ce teaser. J'espère que Silent Hill sera pas comme ça. Un trou sur la table au-dessus du réveil. Ah, je vais voir. Un réveil. Il y a une espèce de gros yeux qui te regarde, mais il n'y a pas de trou. Il y a des trucs. C'est pas un... Ah non, c'est pas un trou, c'est. Donc il y a à nouveau des bruits chelous. Je pense que ça a son importance, ces bruits qu'on entend. Ok, j'avance. Ok. Le truc qui rend fou. Tu veux sortir? Je veux sortir. Mais je comprends pas, c'est comme. Le réveil devrait s'éteindre. Alors, on va regarder. On va tricher un peu. Machin, vous retrouvez au début avec une lampe torche. Il faudra donc longer le même couloir en boucle jusqu'à entendre des cloches qui sonnent. Bon, bah jusque-là on était bon. Une fois que le réveil est éteint. C'est là où ça me.
ça m'intrigue. Ou alors il faut que je ressorte, que je re-rentre, que j'attende que les cloches sonnent et que je regarde si le réveil s'éteint au lieu d'afficher minuit. Peut-être. Allons voir. Donc là, ok, 23h59, nous allons attendre minuit, l'heure du crime. En attendant minuit, l'heure du crime, je vais prévenir tout le monde sur Twitter quand même que je suis en plein live. Peut-être que des gens voudront nous rejoindre. Hop. Voilà. Un petit rappel. Ah, minuit. Donc on est content, c'est minuit. Donc les bruits chelous recommencent. Mais ça ne s'éteint pas, ce réveil de merde. Que se fait cette chiasse ? Ah oui, non, moi je veux le finir, hein. Alors. Bah on n'est pas couché. Non, quand même, au bout d'un moment, je vais avoir faim, donc il va falloir que je m'arrête. Mais... Ah non, 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 je veux pas me faire zigouiller encore, hein. Toi, vers la porte, il y a quelqu'un, je crois. Non, c'est pas vrai. Je ne te crois pas. Voilà. On va y aller. Nobody. On retourne par là. Ce réveil est toujours éteint. Est-ce que peut-être que si j'attends une minute de plus, les cloches vont ressonner et que le réveil va s'éteindre? Regardons. Ça fait 1h07, bientôt 8, que je joue. On va voir. Tu dis, faut pas faire plusieurs boucles pour que le réveil s'éteigne. Avec un point d'interrogation, genre c'est une question ou c'est une exclamation? Ouais, on va attendre un peu, voir. On va attendre une minute. À 1h09, ça fera déjà plus d'une minute. Donc ce sera pourri. Ah, c'est une question. Ben, je sais pas, je me pose la question. On va attendre jusqu'à 1h09. Et si ça s'éteint toujours pas, on va faire plusieurs boucles, je pense. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 27. Bon, il se passe rien. Ah, attends, je me souviens d'un truc que j'avais vu quand j'avais regardé le live de Gameblog à ce sujet. Que quand ça se mettait à sonner, il fallait partir tout de suite. Ça me parle, ça. Attendons. On va attendre. Minuit, à minuit, je trace direct. Bon, y a mon chat qui boude parce que je joue. Allez, viens. Mais viens te coucher à côté de moi. C'est qui fait peur, le jeu. Allez, viens. Hop, voilà. Comme j'ai un réconfort, j'ai un doudou, c'est mon chat. Que des vieux. Non mais oh, on n'est pas des vieux.
Bon, je suis ready. Comme ça, dès que ça sonne, je trace. Ah là. Super, il s'est passé. Bon. Va falloir trouver une petite solution quand même là. Attendez, si on attend plutôt. Est-ce que je stream souvent? Ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé. Avant, je faisais des podcasts. Vous pouvez aller sur mon blog Girls Frag. Donc girls comme en anglais les filles et frag comme un frag dans les FPS.com. Je faisais des podcasts sur YouTube et puis là ça fait quelques temps que je me suis mis à faire des lives parce que je trouve ça vachement plus sympa. Après vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter avec mon pseudo Ikari Jojo, donc c'est Ikary Jojo. Et puis voilà. Hop là, on y va. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis téléconseillère. Attends, faut que je me concentre, ça rigole pas. Ah non, mais ça se finit avant. Non, c'était pas ça. Il y avait une histoire comme ça, je suis sûre. Mais peut-être que c'était une connerie. Ah, tu es venu de Twitter. Mais bon, après, comme ça, je passe l'info à toutes les personnes qui sont là. Alors, attendons voir minuit, mais... J'essaie de regarder si je trouve quelque chose par rapport à cet endroit-là, parce que sinon on va pas être couché, hein. Il faut continuer à arpenter le même couloir en boucle, franchissez les portes au moment où les cloches sonnent. D'accord, bon bah c'est bien ça. En fait, c'est quand les cloches sonnent qu'il faut aller dans la suite. Ah bah j'irai voir ce que tu fais en stream, commando. Bon là, c'est toujours pas éteint. Qu'est-ce que tu veux pas dire, tonton X? Ton métier? Ah maintenant, je t'y passe 2 jours à le faire, hein, ce teaser. Ah, ça refait des bruits bizarres, Berk. Mon dieu, c'est affreux ce truc. Bon, allez, que les cloches sonnent là. C'est bon. Il est 23h59, c'est naze! Non mais il faut savoir si je suis sur la bonne voie, mon histoire de traverser. Chut, plume, mon chat, arrête. Oh là là.
Ah mais c'est infernal ce truc, ça rend fou. Peut-être qu'il faut attendre devant. Je sais pas. Ah bah tu peux nous dire où est-ce que tu stream, hein, y a pas de souci. C'est avec plaisir. Ok, minuit, je trace. Mais c'est pas possible, ça rend fou ce truc. Vous pensez que je fais ce qu'il faut au moins? Tout le monde y va de son truc, mais... Salut Butters. Eh mais vous allez pas m'aider les gars là, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve je fais n'importe quoi. Ah vite! Il faut aller chercher de l'aide sur Twitter ou quelque chose là. Ça a changé de couleur, on est trop content. Et c'est toujours allumé. Alors on va se mettre comme ça pour essayer de se mettre en position. On va courir plus vite, je sais pas. J'ai peut-être un mauvais timing de... Parce que comme ça s'arrête de sonner... Ah non mais il faut m'aider moi. J'ai souffert en plus. Tout à l'heure, j'ai poussé des hurlements là quand le truc il m'a mangé. Et puis, ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne en rond. Et ça recommence à faire des bruits chelous. Ok. Ah non, dodeuse, j'aimerais bien le finir ce truc. Alors. Non mais c'est pas ça, hein. Je fais un truc qui cloche. Je comprends pas, ils disent tous la même chose. Nia 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 nia, il faudra donc longer le même couloir en boucle jusqu'à entendre des cloches qui sonnent. Une fois que le réveil est éteint, bah ouais, mais enfin, il s'éteint comment, par magie? Une fois que... Une fois rien du tout. Une fois rien du tout, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Ah mais 50. Ah si c'est ça, non, je crois qu'il est marqué 54. Attends, moi je vais aller voir dans le truc là. Ah là ça pleure, mon dieu. Qu'est-ce que c'est ce bruit?
faut fixer longuement le miroir, mais ça n'a peut-être pas l'air d'être maintenant. Si je fais les boucles sans attendre les cloches, bah écoute, on va tenter, hein. Parce qu'après, sur un autre truc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait... Attends, parce qu'il faut que je marche en même temps que je lise, c'est pas évident. Continuez à arpenter le même couloir en boucle, franchissez les portes au moment où les cloches sonnent. Eux, ils disent de franchir les portes que quand les cloches sonnent. Mais carrément, ça flippe, le va! T'as loupé un truc, j'ai poussé des cris, c'était affreux. On a déjà testé le passage des portes quand les cloches sonnent. 36 000 fois. Donc on va avancer, hein, jusqu'à ce que, je sais pas, une cloche sonne. Oh, le truc qui rend fou. Je vais nous filer la gerbe à force, hein, de tourner comme ça. Il s'affiche un truc là. Pourquoi? Je crois que la dernière fois qu'il s'affichait ça, j'ai décédé, hein. J'ai des tentatives. Hein. Ah non, c'est pas maintenant. Bon, peut-être qu'il faut continuer. C'est passé un truc. Maintenant, c'est tout jaune. Et toujours 23 h 59. Ah bah oui, là j'avoue que je nécessite un petit peu de l'aide. Finir par me faire zigouiller à force de tourner comme ça. J'aime raison que les cloches elles ne sonnent pas trop. Donc on va attendre que les cloches sonnent. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis on va retenter la technique de les cloches sonnent, je passe la porte à ce moment-là. Donc on attend. Non, j'ai pas ramassé de morceau de photo. Tu penses que c'est ça qui va pas? Il me semblait que c'était accessoire. Oh purée, la toile d'araignée de ouf quoi. Attends, je vais ramasser les morceaux de photo. Mais faut me dire où elles sont. Parce que je ne sais pas. Où est-ce qu'elles sont? Ah! Je vais faire ça. Attends, je vais te montrer après ce qui a marqué en gros. C'est peut-être un indice. Au-dessus de la porte, en fait, c'est noté que elle est désolée et tout. Parce qu'il y avait un monstre dans son corps. Dans la plante. Dans celle-ci? Ah, je crois que j'ai peut-être eu ça. Ah, attends. On sait pas? Non? Ah, je sais qu'il y a un truc là. Ah, ça, je le savais. J'avais vu ça. Une parterre près du téléphone. Ah, et du coup, lui remet le truc. D'accord. Alors, une parterre près du téléphone.
Il y a bien le téléphone ici, mon Bugsos. Ah, sa maman. Mais ça fait flipper, hein, ce truc. Sous le réveil. Attends. J'ai peut-être déjà pris celui-là. Ah non, j'avais pas pris. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Alors je crois qu'il y a une histoire, qu'il y en a une. Une sous l'escalier. L'escalier. Tu la vois même pas. Et alors, il me semble-t-il, qu'est-ce qu'on m'a dit? Quand la porte de la salle de bain est ouverte, faites face à celle-ci, donc face à la salle de bain ou à la porte? Face à la porte. Ah oui, ça y est. It shine, ouais, je parle pas l'allemand, moi. Alors. Ah ben, je crois qu'on a remis toute sa photo. Donc par contre, il y a l'histoire des cloches. Il y a l'histoire des cloches et du réveil qui doit s'éteindre. Ouais, j'ai la solution et j'y arrive pas. Mais je suis pas la seule à pas y arriver avec la solution. Puis je la regarde pas tout le temps quand même, sinon c'est triché. Bon, je me casse. J'ai peur. Oui. Ah, alors c'était Tonton X qui voulait voir ce qu'il y avait de marqué. Regarde. Elle dit « Forgive me, Lisa. There is a monster inside of me. » Voilà. Mais ça a été depuis un moment, ça. Ça a apparu en même temps que l'autre phrase sur le mur. Donc elle, elle est toujours là. C'est cool. Et puis, le réveil est toujours là aussi. Donc maintenant, il y a l'histoire... Là, je crois qu'il pleut dehors. De... Il faut passer la porte que quand les cloches sonnent. Donc on va attendre, et puis on va passer la porte quand la cloche va sonner. Bon, quand même, le début est beaucoup plus flippant que le reste. On va dire la grosse première demi-heure, j'ai bien stressé. Puis en fait, au fur et à mesure, on s'habitue à l'ambiance et puis il se passe plus grand-chose d'extraordinaire. C'est un peu dommage. Ah! Vite! Qu'est-ce que je fais là? Je passe la porte ou j'attends que ça sonne pour passer la porte? Peut-être que là il s'éteint vu que j'ai passé la porte avec les cloches qui sonnent. C'est quand même un petit peu compliqué leurs histoires, hein? Hein? Espèce de réveil. Il y a des bruits chelous. Peut-être qu'il faut que j'y aille quand il y a les bruits. Ah voilà. Ça ding ding dong là. Qu'est-ce que je fais? Oh, je sais qu'il faut absolument que je voie quelqu'un dans ce truc, sinon j'avancerai jamais. Thank you.
D'où viennent les pleurs? Ah! Il y avait quelqu'un! Mais my god, j'avais même pas vu ce truc! Eh mais vous l'avez vu, vous? Horrible! Peut-être là qu'il faut que j'aille dans le truc maintenant. Peut-être que là je vais l'avoir. Ah, on n'est pas loin. On cherche quoi? Oui, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à sortir vivant. Si, il y avait une dame. Bah, il n'y a rien, c'est pas possible, ça rend ouf ce truc. Je veux sortir par là. Je veux sortir par là. Quand il est minuit, on dirait qu'il se passe plus rien en plus. Est-ce qu'on peut éteindre la lampe? La question que je me pose. Non. Non. Elle pleure dans la douche. Ah, c'est peut-être là. Oh, elle est derrière. Fucking god. Oh, ça me fait grave flipper. C'est horrible. Ah, putain. Je crois qu'on a réussi. En fait, faut vachement écouter ce qui se passe. Parce que j'ai tout simplement suivi les sons. Et c'est là où j'ai trouvé. Bon. A priori, on a avancé. Maintenant, c'est la dernière phase, je crois. Bon. D'entendre une histoire de bébé qui pleure. On va attendre un peu. Putain, mais moi je vois des trucs partout maintenant. Ah, mais ça ressonne les cloches, c'est normal? Je sais pas. De faire un jeu pareil. Elle est toujours là ou quoi, cette grognasse? Ça vient de là, le bruit. Ouais, c'est ça, c'est que ça apparaît de là d'où vient le son. Ah, oh, putain, mais j'ose plus y aller, moi, je flippe, hein.
Des trucs qui apparaissent et tout, tu sais. Ça vient de du radio là, de la radio là. C'est ça vient de la radio. Ok. Donc là le bébé. Bon, ça vient de là, là, non? Je sais pas. Ah, peut-être qu'il faut que je j'aille à la suite. T'as raison, le bas. J'y retourne. Eh non, mais moi j'ai une attaque cardiaque, c'est un truc de ouf, hein. C'est pas fait pour moi, ça. Alors, next. Ah, mais ce coup-ci, je lui déchire sa tête. Alors, écoutons. Je crois qu'il faut qu'on attende de toute façon que ça sonne pour qu'il soit minuit. Ah. Non, c'est pas là. Là, ça a pleuré. Salut, monsieur Blédou, Merci pour l'info. Mais alors le bébé il a pleuré une fois, on était pas mal là. Parce que je sais qu'il y a des histoires de bébés qui pleurent. Bon, on recommence. Parce que je crois qu'il faut vraiment arriver à faire le truc qu'il faut quand ça sonne minuit. En plus, il commence à faire nuit chez moi, je vais commencer de plus en plus à flipper, hein, franchement. C'est éteint! Ah, donc c'est là! Et regardez, il éteint le radio. La radio, je sais même plus parler la France, du coup. Non, c'était 70 ans là, à ce moment-là que j'étais censée faire apparaître le truc dans mon dos, mais comme quoi, hein, c'est pas du tout fixe la façon dont on le fait. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire.
Vu que c'est temps, on va attendre, parce qu'il va sûrement très certainement se passer quelque chose. Ah! Ça vient de là. Ah bah tu vois comme quoi. Ah mais ce truc ça rend ouf. Bon, on recommence. On va bien finir par arriver à faire quelque chose, hein. Bon, la radio est à nouveau allumée, c'est pas grave. On va attendre minuit, l'heure du crime, et on va voir. Parce que... 5 fois quand même t'as fini la démo. Purée, t'as envie de te faire peur. Moi déjà, si je la finis une fois, je m'arrêterai là. Hein. Mais non, ça c'est le réveil. La radio, c'est là-bas. Eh oui, mais on a tous des radios réveil, donc forcément, t'appelles la radio un réveil et un réveil une radio. Alors, 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je tourne, 8, 9, 10. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ça pleure. Ah mais elle est toujours là la grognasse, regardez. Pourquoi elle est toujours là elle? Ok. Alors j'ai vu la femme bizarre. Bon, attends, je vais le refaire, alors c'est pas bon. Et le fait que je voie madame dans le miroir, c'est pas cool? C'est pas une bonne nouvelle? Parce que si je fais 10, je fais 10 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, un rire de bébé. Je fais quoi maintenant? Ah bah en fait c'est hyper scripté quoi. Faut faire exactement... Je vais où? Thank you.
t'es là, salope! Ah putain! Je le savais en plus, hein! Bah du coup, elle va être là, la grognasse, là. Elle était là la dernière fois, non? Bébé, tu veux pas pleurer? Qu'on en finisse! Bébé! Ah, ça a vibré! C'est que j'envoie le bout là si ça vibre. Oh putain, c'est un truc de ouf ce truc. Mais elle est où cette grognasse? Ça vient de tous les côtés. Mais ça a à peine vibré en fait. Attends, j'essaie de fixer le téléphone. En tout cas, je l'entends dans le téléphone, ça c'est clair. C'est un truc qui rend ouf. J'ai fait pleurer le bébé combien de fois? Trois fois, non, pourtant. Bon, le bébé, il a plus l'air de vouloir rigoler. Ah, peut-être parce que je parlais écouter la radio. Ah, direct fixer téléphone? Attends, j'essaie de fixer la radio avant. Bah, le bébé, il a plus l'air de vouloir rigoler. On se casse. Allez. On fixe la radio et on fait 10 pas.
va y arriver quand même. Nom d'une pipe. Donc on est d'accord. Les 10 pas tout à l'heure, ça a marché. Donc je fais 10 pas. Dès que le bébé rigole, je fixe le téléphone. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il a rigolé. Je retourne là. Nothing. Bon. Il va falloir encore que je revoie ma copine, je crois. Putain, j'ai réussi à faire rire le bébé en regardant là. Ouais, pas l'air décidé. Peut-être que j'aurais dû aller voir le bébé qui rigolait, je sais pas. Il est vexé parce que je suis pas allée le voir. Peut-être là. Il y a des bruits bizarres. Ah, je vais encore voir ma copine, c'est pas possible, je veux pas la voir. Non, c'est pas possible. Bon, super. C'est vraiment compliqué cette histoire tout de même, hein? Alors attends. Premier passage, donc ouais, je passe dans un sens. Qu'est-ce que ça s'appelle passage? C'est par sortir, revenir? Attends, on va refaire. Déjà, on arrive à avoir un rire de bébé, on est pas mal, hein? Ça trouve, il faut peut-être aller le voir dans la salle de bain. Bon, sachez que dans 6 minutes exactement, je vous abandonne. Au pire, on fera la fin une prochaine fois. Parce qu'il faut que je me nourrisse. Parce que je vais mourir de faim, sinon. Ce serait quand même dommage. Ah bah du coup ça fera un deuxième rire de bébé alors. Parce qu'on en a déjà eu un. Et après deuxième. Est-ce que tu peux venir manger chez moi, c'est ça? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. 10? Why? Ça marche qu'une fois, je crois.
Non, on la voit plus, grognasse. Je crois que c'est dans le téléphone qu'elle a pleuré. C'est sûr que ça avec les sons, mais pour comprendre ce qu'il faut faire, c'est vraiment chaud. Hein. Bon, écoutez, pour ce soir, je vais abandonner là. J'aurais bien aimé terminer pourtant, mais franchement, c'est chaud. Puis, je vous dirai sur Twitter sûrement demain dans l'après-midi, je pense. Ah non, ah si, peut-être dans l'après-midi. Je vous propose de terminer. Enfin, d'essayer tout du moins. De terminer la démo. Ah! Tu vois, le bébé il pleure. Tout à l'heure il a pleuré. Non, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Bon, allez, on en reste là pour ce soir parce que sinon je pense qu'on serait parti pour toute la nuit. Et puis on se dit à demain. Et puis n'hésitez pas à suivre mon Twitter pour savoir quand est-ce que je ferai la suite de ce live. Donc pour rappel, ICARYJOJO, c'est mon Twitter. Et puis girlsfrag.com, c'est mon blog. Voilà, voilà. Ah, il se passe un truc! Non mais c'est pas possible, c'est dès que je vais vouloir partir qu'il va se passer des choses. Bon non, il faut que j'arrête hein, parce que sinon j'arrêterai jamais, il se passe toujours des trucs qui servent à rien. Bon allez, salut les amis, à demain.